La dépression, pour moi, c'est un trou noir profond. C'est combattre des démons dans sa tête. C'est se battre quotidiennement contre des pensées sur lesquelles on a l'impression de n'avoir aucun contrôle. J'ai fait une dépression parce que personne n'a pu diagnostiquer que j'avais une endométriose de stade 4, qui est une maladie de femme. J'en ai souffert pendant 7 ans. J'ai subi 5 interventions chirurgicales. Personne n'a pu trouver ce qui n'allait pas chez moi. J'ai essayé l'automédication avec de l'alcool, qui me fut d'aucune aide. Ça a été la pire des choses. Je pleurais tout le temps. Ma fille avait l'habitude. Elle prenait des mouchoirs dans la boîte et me les donnait, en me disant « Tiens, maman, ça va aller. » J'étais constamment en train de me morfondre, grincheuse, en colère et frustrée à cause des enfants. Je ne veux pas être cette mère. Je voulais être une mère compréhensive et aimante. Et même si j'aime mes enfants à la folie, j'avais l'impression de les négliger d'un amour véritable. Ce n'était pas facile du tout d'essayer de chercher de l'aide, mais je savais que je devais le faire pour mes enfants. Je voulais être la meilleure mère possible, et c'est alors que j'ai vu l'annonce dans le journal. Le premier jour de ce programme, nous avons été présentés à deux charmantes dames, Cathy et Carrie, qui dirigeaient le programme. Elles étaient pleines de vie, absolument pétillantes de vie. Elles riaient et souriaient. Nous avons même ri et souri, et nous nous sommes sentis si bien accueillis. Durant le programme, nous leur avons montré qu'il y a une lumière au bout du tunnel, qu'ils peuvent transformer leur tristesse en bonheur, et que nous et eux pouvons voir qu'une meilleure vie les attend. C'était édifiant. Ça m'a donné envie d'y aller chaque semaine. C'était quelque chose à attendre avec impatience et je sentais qu'il y avait de l'espoir. Il y a vraiment une lumière au bout du tunnel. J'ai pensé que si je pouvais suivre et m'en tenir à cela, je me sentirais éclairée. Je comprends que les gens souffrent et qu'ils ont besoin d'aide. Pour moi, il est important qu'ils viennent au bon endroit pour la trouver et qu'ils se rétablissent. Je sais qu'ils peuvent s'en sortir. Je l'ai vu se produire maintes et maintes fois. J'avais l'habitude de croire en Dieu, mais j'ai eu des expériences d'enfance qui m'ont détourné de Dieu. Pour moi, c'était un peu dur de prier au début, parce que je ne l'avais pas fait pendant des années. Mais j'ai participé, et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je réfléchisse à tout cela et que je l'assume. Je l'ai fait, et en faisant cela, et en priant avec Cathy et Carrie, cela a fonctionné. Je me suis sentie mieux dans ma peau. J'ai senti qu'il y avait une présence, là, dehors. J'ai réalisé qu'il y avait un Dieu dans ce monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Jésus est vraiment le médecin. Il est celui qui vous aide à guérir. Nous aimons suivre ses pas. En fait, il a pratiquement aidé les gens et leur a montré ce qu'ils pouvaient faire pour les aider, et ils l'ont suivi. Je pense que ce cours m'a beaucoup aidé, non seulement pour le côté mental des choses, mais aussi pour avoir Dieu dans ma vie. Et pour avoir réalisé qu'il a toujours été là, et que je sais qu'il sera toujours dans ma vie, et qu'il sera à mes côtés. C'est un voyage que je vais poursuivre pour le reste de ma vie. Adventist Earth se passionne pour l'aide aux personnes. Ils ont vu un besoin dans nos communautés. Ils ont vu l'opportunité d'utiliser ce programme et l'ont soutenu. C'est merveilleux qu'Adra ait adhéré à ce programme. Ils en voient également la valeur et pensent qu'il peut aider énormément les gens. Leur participation est essentielle pour mettre le programme à la portée financière des Néo-Zélandais, notamment du Néo-Zélandais moyen.
ADRA croit que ce programme peut faire la différence. Le programme sur la dépression et l'anxiété a été créé pour aider et faire découvrir aux personnes un programme de santé positif qui change la vie. ADRA a compris à quel point c'était important pour les Néo-Zélandais. Partenaire avec le ministère de la Santé et l'Église, nous offrons désormais ce programme à la communauté pour un prix réduit de moitié, ce qui le rend accessible à tous. Grâce à cette participation, nous avons pu offrir ces services aux communautés à un prix beaucoup plus raisonnable. Je pense que les personnes qui ont créé ce programme de lutte contre la dépression et l'anxiété sont extraordinaires. Je souhaite seulement que toutes les personnes qui en souffrent puissent suivre ce cours. Il a changé ma vie et je sais qu'il peut changer la leur.